accueilli le lancement du Think Tank Out of the Box ce soir suite à une rencontre avec Ingrid Bianchi et Myriam Ogier. Et quand elles sont venues nous exposer leur sujet des multipotentiels, en fait, ça fait écho à un certain nombre de choses qui sont liées à la culture de talent. Nous avons eu l'idée de lancer le Think Tank, le Circle Lab sur les multipotentiels Out of the Box, parce que dans nos activités respectives, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements et d'attentes dans des entreprises en faveur de profils innovants et atypiques. Les multipotentiels, ce sont des personnes qui ont un mode de fonctionnement à prédominance cerveau droit, qui fonctionnent de manière plus intuitive et qui ont un mode de pensée cérébrale en arborescence, qui rend leur réflexion beaucoup plus rapide et avec une pensée critique. Et intégrer des multipotentiels, c'est revoir le modèle unique de réussite de l'entreprise et permettre à différentes formes de talents et différentes formes d'intelligence d'exister, de coexister et d'apporter justement sa singularité. Les profils atypiques, c'est notamment le fait d'avoir des parcours et des profils assez différents, d'avoir une diversité, ce qu'on appelle l'intelligence collective, la capacité qu'on a à conjuguer ces différences, à s'enrichir les uns les autres, que ce soit en interne, mais aussi en externe, avec nos clients et nos partenaires. Ce qui nous intéresse, nous, chez Talents, c'est de constituer des équipes avec un haut niveau de diversité. Et donc, les profils atypiques ou multipotentiels, comme on a pu les décrire ce soir, sont des éléments clés dans les équipes qu'on peut proposer à nos clients. Nous avons expérimenté une démarche d'identification, de détection et d'intégration de profils atypiques à travers un programme que nous avons appelé le programme reconversion qui a été mis en place depuis 2 ans. Au sein du groupe SNCF, nous avons mis en place un programme commun pour accompagner des intrapreneurs, pour les aider à transformer une idée en projet. Très clairement, on va trouver parfois dans nos équipes des talents qui s'ignorent, qu'il va falloir aller chercher pour réinventer nos services, réinventer nos process, nos façons de faire. Il y a un double enjeu, celui d'intégrer de la créativité supplémentaire et du coup d'être capable d'innover sur des nouveaux services et des nouveaux produits. Et puis l'autre enjeu, c'est aussi de venir les intégrer dans des équipes IT où on a des profils d'ingénieurs assez classiques pour que les uns et les autres puissent apprendre à travailler ensemble et à se développer au contact de l'un et de l'autre et à devenir ensuite complémentaires. Nous sommes fiers chez Talents de participer à l'élan de réflexion qui est aujourd'hui proposé par le think tank Out of the Box.